Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un invité assez prestigieux, c'est Eric Cagnard Bonjour. Qui a plusieurs casquettes. Il est à la fois infirmier, il a été infirmier notamment aux urgences, il est également bodybuilder professionnel avec la fédération IFBB Pro Elite et c'est également le vice-président de l'IFBB France. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu du dopage au sens large dans le milieu du bodybuilding, des compétitions. Et ce qui nous a motivé pour faire cette vidéo, c'est un événement tragique qui est survenu récemment après une compétition de bodybuilding où un athlète en catégorie men's physique a fait un arrêt cardiaque chez lui. Et à la suite de ce type d'événement, on a toujours des réactions, des hommages, mais on a toujours l'impression que rien ne change vraiment et qu'il y a toujours autant de comportements liés au dopage et que beaucoup de personnes vont avoir tendance à minimiser les risques liés aux produits dopants. Et je pense que le témoignage, l'avis d'Eric, justement, qui a ses différentes facettes, à la fois en tant qu'infirmier, donc il a vu des choses réelles, comme quoi c'est pas juste des informations ou des articles scientifiques, et il aura, je pense, plusieurs témoignages à ce sujet-là. Donc comme tu dis, effectivement, suite à cet événement tragique, je trouve qu'il était important de faire de la prévention, de parler de choses qui peuvent des fois peut-être déranger certaines oreilles, mais qu'à un moment il faut aborder, et que le dopage c'est pas anodin, le dopage c'est pas une pratique qu'on doit familiariser comme ça et vulgariser. Je ne désigne personne, je suis pas là pour accuser qui que ce soit, je suis surtout là à tes côtés, et je pense qu'en tant que médecin tu apporteras encore plus de crédibilité à tous ces propos pour faire de la prévention. Voilà. C'est vrai qu'on a, je pense, assisté sur le plan du dopage avec les réseaux sociaux à un changement, on va dire, de paradigme. Je pense qu'avant, c'était quelque chose. Alors, il y a eu la période dans les années 70 où c'était ouvert, c'était légal et je pense que les gens parlaient vraiment librement. Ensuite, ça a été banni et du coup, c'était beaucoup plus difficile d'avoir des informations. Le dopage, ça n'existait plus. Je pense quand tu vois les magazines Musclé Fitness, Flex des années 85, 90 jusqu'aux années 2000, bah, c'est un mot tabou, hein, le dopage. Tabou, oui. Ça n'existe même pas. Et avec les réseaux sociaux, d'abord tout le monde était naturel et puis il a commencé à y avoir, je peux qualifier ça un peu de mode, mais des gens qui ont commencé à avouer être chargés. Alors avouer, on s'en doutait un petit peu, même s'il reste des gens bien sûr naturels avec des gabarits impressionnants. Mais le problème, c'est à la fois une bonne chose parce que ça fait prendre conscience aux gens et c'est ce qu'on se dit au début, je pense que en fait voilà, ce type de physique, ça a un prix, c'est pas que de manger des blancs de poulet, des brocolis. Mais inversement, ça peut aussi rendre la chose un peu banalisée, un peu plus accessible et les gens se disent « Ok, ben en fait, regardez toutes les personnes que je vois sur Instagram, sur YouTube, ils sont tous chargés, manifestement, ils n'ont pas de problème de santé ou alors ils n'en parlent pas. » Et donc, je pense que certaines personnes vous diront qu'en fait, entre ce qu'on voit à la caméra et ce qui existe réellement, il y a aussi un gros fossé. Et du coup, ça peut banaliser ce type de comportement et rendre la chose finalement un peu normale. Et on voit de plus en plus de jeunes qui se renseignent et puis surtout qui minimisent les risques. Et combien de messages j'ai à chaque vidéo de personnes qui me disent « Mais quand même, t'abuses un petit peu, une cure de produit, c'est pas si dangereux que ça. Si tu fais les choses correctement, il y a toujours cette notion de faire les choses correctement. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce qu'il y a vraiment du dopage qui peut être sans danger ?» C'est quelque chose qui est très discutable à mon sens. Alors, je pense que, comme tu as bien dit, il n'y a jamais de danger zéro. Ça n'existe pas. Moi, j'ai un parcours de plus de 30 ans dans cette discipline sportive et j'ai vu effectivement toutes ces étapes, comme tu viens de l'expliquer, changer au fur et à mesure avec des comportements qui jusqu'à présent étaient, on va dire, quand même relativement « safe ». Si on peut parler en termes comme ça. Mais là, je vois effectivement, c'est du grand n'importe quoi. Et j'ai pas peur de le dire. Moi, j'ai plus de 30 ans de pratique. Quand j'ai commencé, ça me venait même pas à l'idée. Je savais même pas que ça existait, le dopage. Tu vois. Et effectivement, j'ai commencé à m'entraîner, ben, comme tout à chacun, en me disant, ben voilà, il faut manger correctement, etc. Chose que j'ai toujours fait jusqu'à présent. Et quand maintenant je parle avec des jeunes, de suite leur premier mot, mais qu'est-ce que je dois prendre pour être comme toi? Voilà. Alors à croire qu'il y a une formule magique, qu'il y a des produits magiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'existe pas. Et je vais même faire une image assez simpliste, mais vous aurez beau doper un âne, ça ne sera jamais un cheval de course, ça restera qu'un âne dopé. Et puis peut-être même pire, parce qu'au final, tu devras mettre des doses plus importantes que sur une personne qui a une bonne génétique, qui a déjà un gabarit
à la base et qui sait s'entraîner, qui sait s'alimenter, parce que les gens, je pense, il y en a beaucoup qui essaient de compenser Oui. le manque de rigueur, le manque d'entraînement, le manque de Tout diète à fait. par une augmentation des produits. Tout à fait. Et je pense que tu as cité des termes hyper importants dans notre sport, qui sont les termes de génétique, le terme de régularité, de nutrition. Ça, tu veux maintenant pour les jeunes, et c'est pas pour citer que spécifiquement les jeunes, mais je vois la jeune génération ne croit qu'il n'y a que les produits pour progresser. Et c'est ça qui, quelque part, me fait peur et me fait dire, à un moment, on va arriver droit dans le mur. Et il y a quand même aussi à prendre en compte le fait de l'aspect génétique, le fait de justement prioriser l'entraînement par rapport à sa génétique, que si on a un retard sur les cuisses, c'est pas en mettant plus de produits qu'on va avoir des plus grosses cuisses, mais justement en s'entraînant peut-être différemment et en privilégiant justement une progression sur ce groupe musculaire en particulier. Après, je pense que on peut pas dire qu'il y a une pratique de dopage saine. Ça n'existe pas. Le dopage, ça reste du dopage. C'est l'utilisation de médicaments à des buts thérapeutiques à la base qui ne sont pas l'amélioration des performances sportives. Ça a été utilisé dans le monde du sport pour des intérêts politiques, on va le dire, pour des intérêts financiers et aussi. Et quand il y avait à l'époque le bloc Est, le bloc Ouest, c'était vraiment, voilà, on y était en plein dedans. Et là, ça continue, on va pas se mentir. Alors c'est vrai que le bodybuilding est souvent mis à l'amende comme un sport où il faut systématiquement se doper. On n'est pas plus dopé ou moins dopé qu'ailleurs. J'allais dire, c'est la même chose partout pareil. C'est que là, ce que j'ai peur, c'est qu'avec les jeunes générations, comme tu dis, avec l'accès, l'avènement des réseaux sociaux, ils font n'importe quoi. Voilà. Donc il est important de remettre de la prévention dans notre sport. Oui, parce que très souvent, il y a des gens qui vont partager ouvertement leur protocole, qui vont Bien sûr. partager. Et puis, c'est très rare les gens qui vont parler des effets secondaires ou des soucis de santé. Et je pense que c'est quelque part normal. On a envie de s'afficher sur les réseaux sous notre meilleur jour, Bien de sûr. montrer des bons physiques et pas quand on commence à avoir des effets secondaires, de la gynécomastie, de l'acné dans le dos, ou alors qu'on est à l'hôpital parce qu'on a eu un souci de santé au niveau du cœur, au niveau du foie. Divers problèmes de santé, donc ça finalement c'est la conséquence logique des réseaux. Tu t'exposes sur les réseaux pour avoir, enfin je vais pas dire de l'attention au sens forcément négatif du terme. On a Non. tous envie de partager la meilleure vision de nous-mêmes, à Bien la fois je sûr. pense à titre personnel. Personnellement, j'aimerais pas prendre une photo de moi au réveil le matin, tu vois, c'est Non, je normal. comprends ce que tu veux dire. Mais oui, il ne faut pas minimiser ce qu'il peut y avoir, on va dire, dans l'envers du décor. Et des hépatites, et des problèmes de reins, et des problèmes cardio, ça existe aussi chez les athlètes. Ils ne vont pas s'en vanter sur les réseaux, ça c'est sûr. Ouais. Et toi, dans ta pratique, du coup, t'as vu, tu me parlais en off de problèmes de foie, de problèmes liés Ah au bah clenbutérol. oui, moi j'ai vu aux urgences des gars arriver parce que surdosage de produits, hépatite, et puis il te l'avoue clairement, il dit bah monsieur, j'ai pris ça, bah oui, dites-moi la vérité, de toute façon on le saura bien, ou ah oui, j'ai pris ça, on me l'a conseillé pour sécher, et en l'occurrence oui, et pourquoi tu as pris? Bah parce qu'on m'a dit. Ben oui, mais essaye de t'enseigner, fais pas n'importe quoi. Si je te dis de sauter d'en haut d'un immeuble, tu vas pas le faire. Et c'est marrant ce que tu dis, quand tu dis on me le dit facilement. Et petite parenthèse, c'est vrai qu'on recherche pas systématiquement les produits dopants. Et de mon expérience, des gens que j'ai vus avec des problèmes cardiovasculaires, puisque c'est ma spécialité, à cause des produits dopants, alors il y en a eu plein, hein, des infarctus, des dissections de l'aorte, donc beaucoup plus graves, des troubles du rythme. Et très souvent, ces personnes-là, c'est rarement des gens qui sont forcément massifs. Des fois, je l'ai eu tout simplement demandé parce que je voyais sportifs, où les gens vont des fois en parler, ou quand on leur demande parce qu'on voit quand même qu'ils ont un gabarit ou qu'ils sont sportifs. Mais ce n'est pas les gabarits typiques des bodybuilders qu'on pourrait imaginer, Olympia, 120 kilos sec. Souvent, en fait, c'est de mon expérience des gens qui ont pris des produits mais qui ont un physique où sur Internet, les gens diraient, mais est-ce qu'il fait de la muscu? Même Non, mais c'est vrai ce que tu dis, voilà, c'est sans être vrai. méchant, mais des Moi, gens qui en fait, je. voilà. J'ai souvenir d'un conducteur de bus, un petit peu, une petite bedaine, tu vois, pour parler familièrement, et c'est lui qui m'a dit, bah, monsieur, je voulais sécher, j'ai pris du. Voilà, Ouais. et on me l'a conseillé. Mais je dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Ah, bah, parce que l'été arrive, mais j'étais. Mes bras, m'en sont tombés, quoi. On en a eu récemment un en cardiologie, une personne d'à peu près un homme d'une cinquantaine d'années,
Et pour le coup, l'interrogatoire avait été fait, et puis je vois dans son observation, j'ai fait des examens complémentaires, et je vois dans son observation avant d'aller faire l'examen, je vois bodybuilder sportif, prend des produits dopants, et donc cardiopathie dilatée avec une grosse altération, donc pour le coup hyper sévère de la fraction d'éjection, c'est-à-dire le cœur qui a vraiment du mal et qui est en bout de course. Et je me suis dit, je vais discuter un petit peu avec lui, je pensais trouver un bodybuilder. Et en fait, je vois une personne, bon, sportive, mais comme on pourrait voir, un sportif, c'est pas méchant, mais un sportif du dimanche, c'est-à-dire avec un peu tracé, mais sans plus. Et en fait, la personne, quand moi je m'imaginais un mec déter qui allait s'entraîner 5 fois par semaine, manger, en fait, le mec me dit non, je fais des pompes dans mon garage, un peu d'abdos. Enfin, il y avait vraiment, c'est pas méchant, c'est déjà très bien de faire ça, mais c'est pas du tout le cliché qu'on se dirait du mec qui s'injecte une liste de produits délirante. Donc il y a un peu cette discordance entre la réalité de ce qu'on imagine sur qui prend des produits dopants et en fait le fait qu'il y a des statistiques des fois qui sortent aux États-Unis. Je crois qu'il y avait cette statistique de 9% des pratiquants réguliers d'une salle de sport qui sont sous produits dopants. Et quand vous regardez dans votre salle, on n'est pas aux États-Unis, donc peut-être qu'en France c'est moins répandu. Mais vous regardez, il n'y a pas, tu ne dirais pas dans les salles basiques qu'une personne sur 10 a un gabarit de bodybuilder. Non. Donc il y a un vrai décalage entre qui prend vraiment ses produits. Et pour revenir donc à la phrase initiale de avouer prendre des produits, c'est vrai que quand tu vois un infirmier comme Eric avec une blouse de taille 8, avec les bras moulés, tu auras plus facilement tendance à lui avouer parce que je pense aussi qu'il y a du jugement. Et c'est ce qu'on se disait en off très souvent quand tu dis au médecin, ne serait-ce que je prends des protéines en poudre. Ouais. Là, d'un coup, tu sens le regard de déni, le regard de, pas de déni, le regard de mépris. Ou, ok, c'est bon, encore un dopé, peut-être même qu'il prend de la créatine, donc vraiment, il est irrécupérable. Là, c'est le stack impardonnable. Là, c'est vraiment violent. Et du coup, bah, forcément, tu n'as pas envie de te faire catégoriser, tu n'as pas envie de te faire coller une étiquette du bodybuilder débile dopé. Et du coup, tu vas pas forcément en parler. Alors que quand tu vois une personne qui pratique, qui connaît, ou manifestement, tu te dis, bah, il a l'expérience, tu vas en parler plus, on va dire, ouvertement, et du coup, tu peux arriver à récupérer les informations. Donc, tu vois des gens, effectivement, qui ont des vrais effets indésirables. Des vrais effets indésirables, avec des pathologies qui, après, sont lourdes de conséquences, on va pas se mentir. Quand tu parlais de cardiopathie dilatée, ça, c'est à vie, après, Il va être obligé de gérer avec, et ton cœur, t'en as besoin, et pour cause, quoi. Parce que s'il s'arrête, on connaît l'issue, quoi. On connaît l'issue. Donc, voilà, pareil pour tout ce qui va être problème rénaux, problème hépatique. Alors, j'entends des fois, ouais, mais le foie, il se régénère, blablabla. Oui, ouais, mais bon. Oui, sauf quand vraiment tu l'as abîmé sur le plan chronique. C'est ça. Qui commence à y avoir de la fibrose, et puis éventuellement ça de la cirrhose. Ça commence fibrose, cirrhose, et puis et tout ce qui s'ensuit, les varices œsophagiennes et compagnie. Et les petits doliprane, parce que tu as un peu mal à l'entraînement, et du coup, bah, ton foie, le doliprane, donc pas le paracétamol, il est un foie en mauvaise santé, va avoir plus de mal à le métaboliser, et donc c'est un peu le combo. Et puis des fois, d'autres médicaments, des anti-inflammatoires. Bien sûr, les anti-inflammatoires. Tu as beaucoup de choses qui vont s'accumuler. Donc, Que par exemple, tu parlais du paracétamol, la problématique c'est que c'est un médicament en vente libre. Et les gens pensent que c'est anodin et qu'on peut en prendre presque autant qu'on veut. À partir du moment où on a mal, si c'est en vente libre, il n'y a pas de danger. Quelque chose de dangereux. Donc, déjà, même ça c'est dangereux. Donc, alors imaginez le reste qui est interdit. Donc, moi c'est pour ça que des fois je suis vraiment atterré d'entendre et de voir que ça se banalise et que et les jeunes, je me dis mais c'est pas possible. Je peux comprendre qu'ils ont envie d'un idéal physique, mais je pense qu'il faut que la pratique elle se fasse aussi avec une certaine raison. On n'est pas là pour brûler sa vie par les deux bouts et puis se dire bon, advienne que pourra et puis on verra bien, quoi. Donc c'est vrai que ce décès tragique me fait rappeler que on n'a qu'une vie. Malheureusement, il a laissé sa famille, en l'occurrence sa femme et ses enfants. Lui, il n'est pas là pour s'en rendre compte, mais c'est eux au quotidien qui le vivent. Et je pense que ça doit être très, très compliqué. Bien sûr. Voilà. Donc, après, la problématique qu'il y a eu, par exemple, avec cet athlète, c'est que, à quasi certitude, c'est un surdosage de potassium. Et que le potassium, en surdosage, je ne vais pas t'apprendre ton cardio qui connaît très bien, ça commence par des troubles du rythme et puis ça provoque un arrêt cardiaque. Ouais, le potassium, c'est vraiment, c'est vraiment terrible. Et surtout, on parle des effets secondaires à long terme qui vont abîmer les reins, le foie, le cœur. Mais il y a parfois des surdosages, mais c'est très rare. Alors que là, on va parler de molécules utilisées
avant les compétitions de façon pour afficher le meilleur physique sur scène et qui vont faire varier les taux de potassium. On va pour les nommer, c'est les diurétiques hein, que beaucoup d'athlètes malheureusement prennent pour peut-être des fois combler un petit manque de sèche. Je pense. Ou est-ce que des fois pour avoir très souvent parce que quand vraiment tu as fait ta prépa comme il faut entre guillemets, tu n'as pas besoin de diurétique. Il n'y a pas besoin de diurétique. Si tu sais gérer les derniers jours et que tu sais bien au moment qu'il faut recharger, baisser un petit peu ton apport hydrique, les diurétiques n'ont aucune utilité dans une préparation. Moi, je suis souvent assez étonné de voir l'importance qu'accordent les athlètes aux diurétiques. Alors, pas tous, mais tu en as une partie qui vraiment... J'ai l'impression qu'ils pensent avoir 5-6 kilos de rétention d'eau, alors que ça, c'est des rétentions d'eau qu'on voit chez les grands insuffisants cardiaques. Donc non, théoriquement, la rétention d'eau, c'est tout au plus 1 kilo, c'est physiologique, donc je peux comprendre que tu veuilles plaquer un petit peu plus ta peau, mais c'est au prix de quelque chose qui va améliorer vraiment transitoirement, qui même des fois est encore plus délétère, parce que les gens font des fois des malaises sur scène, des insuffisances rénales. Si tu arrives sur scène, que tu es complètement déshydraté, parce que le diurétique, quand tu es ce qu'on appelle euvolémique, c'est-à-dire que tu n'as pas de rétention d'eau pathologique, c'est-à-dire que là, moi, j'ai un peu de rétention d'eau, enfin, c'est de la rétention d'eau normale, toi c'est aussi. Physiologique. C'est physiologique, tu as de l'eau autour des cellules, c'est normal, c'est humain. Normal. Et si tu vas aller contre ça avec des diurétiques pour justement évacuer et être plus sec, ça veut dire que tu es déshydraté. Et si tu es déshydraté, tu vas arriver sur scène, tu es déjà fatigué, tu as moins mangé, tu as peut-être moins bu. Hypotension, etc. Et donc tu arrives, tu commences à faire ton posing, la tête qui tourne. Pour peu qu'en plus tu aies la malchance d'avoir un problème de potassium avec des troubles du rythme qui surviennent, mais on a déjà vu des athlètes faire des malaises sur scène. Et ça, c'est dramatique parce que l'autre question, c'est est-ce que c'est évitable ? Alors on peut débattre de la place des produits dans le sport de haut niveau. Ça, c'est une question qui touche toute la société, toutes les fédés, tous les sports. Mais il y a des choses qui, je pense, sont vraiment évitables. C'est sur ce type de produit où là, ça peut être on-off. En l'occurrence, je suis entièrement d'accord avec toi. Et comme tu viens de dire, ça, c'est largement évitable puisque si tu fais bien ta prépa, tu n'as pas besoin de diurétique. Tu n'as pas besoin... Alors, il y a potassium aussi et potassium. C'est-à-dire que généralement, on va quand même conseiller un tout petit peu de potassium, mais genre 1 gramme, par exemple, pour donner une posologie, pour juste favoriser la rétention d'eau intracellulaire, donc dans la cellule. Mais en l'occurrence, tu n'as pas besoin de potassium pendant une semaine à des doses supraphysiologiques. Et en plus, combiné à des diurétiques épargneurs de potassium, il y a un cumul du potassium qui va se faire dans l'organisme. Et c'est ça qui entraîne les problèmes cardiaques. C'est aussi ça la chose un peu dramatique, c'est qu'au final, les diurétiques, la plupart, vont faire éliminer le potassium. Donc, tu prends un diurétique, tu vas uriner de l'eau du potassium qui va être en fait avec les urines. Et le problème, c'est que certains préparateurs, certains coachs se sont dit qu'ils étaient plus malins que tout le monde. Et donc, ils allaient prendre une catégorie spécifique de diurétiques qui n'ont pas cet effet et qui, au contraire, réabsorbent le potassium. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'évacuer du potassium, tu vas le réabsorber et donc ton taux de potassium va monter. C'est une des conséquences normales de ce type de médicament qu'on peut voir et qui est en général le plus utilisé, j'ai l'impression, actuellement chez les athlètes. Sauf que si en plus ils n'ont pas conscience des problèmes du potassium et qu'ils se disent je vais aussi prendre un peu de potassium parce que pour plein de raisons, au final le potassium il va monter. Si en plus ils prennent des grosses doses, parce que des fois il y a la posologie normale chez les patients qui ont déjà une vraie indication, et après les gens qui se disent on perd 500 grammes d'eau, moi je vais prendre 10 comme ça, je vais perdre 10 kilos, c'est logique. La dose est faite totalement proportionnelle et ils ne se disent pas qu'à un moment ils vont ressembler à un sachet de poudre. Et le problème, c'est qu'ils vont cumuler réabsorption massive de potassium, insuffisance rénale parce qu'ils vont être déshydratés, donc le rein ne va même plus pouvoir évacuer le peu de potassium qui reste en excès. Ils vont réabsorber encore plus et donc c'est là où vraiment, je pense, qu'on arrive à ces catastrophes. Il y a eu plusieurs bodybuilders qui sont malheureusement décédés à cause de ça, que ce soit avant, que ce soit après. Et ça, c'est vraiment évitable. Alors là, j'insiste sur tout ce que tu viens d'expliquer et tu as vraiment mis le doigt sur la problématique. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Tu as expliqué dans des termes clairs, simples. Et j'allais dire, s'il n'y a qu'une partie de la vidéo à écouter, ce serait celle-là. Je pense. Oui, c'est sûr, vraiment. C'est certain. La partie la plus immédiate, les conséquences hyper rapides des produits qui ne sont même pas faites pour gagner de la masse, pour sécher, c'est vraiment pour juste pour le temps d'une heure. La condition, comme on dit. La condition, voilà. Mais à quel prix ? Le prix n'en vaut pas la peine, franchement. Non. C'est...
Non, C'est du parce tout. que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'au final, dans la prise de produit, sans se voiler la face, il y a toujours un bénéfice-risque. Toujours. Aucune prise de produit, dès qu'un produit est actif, il y a toujours un risque. Même un médicament, quand il a une action, il aura forcément d'autres effets qu'on peut appeler effets secondaires, effets indésirables, on peut les appeler comme on veut. Mais quand on entend parfois des gens qui vendent des produits qui n'ont aucun effet secondaire, bah ça veut dire que vous buvez de l'eau en fait, C'est un que c'est placebo. un placebo, que C'est un vous n'avez aucun placebo. produit actif. Bien sûr. Et donc, chaque chose que vous faites dans la vie aura des risques. Mais les risques sont plus ou moins importants. Tout dépend du bénéfice que vous pensez en tirer. Et donc, il faut soi-même, pour l'athlète qui décide de passer par là, d'évaluer les risques, qui souvent sont minimisés, et c'est quelque chose, je pense, d'humain. Quand on aime ce qu'on fait, quand on a envie de quelque chose, on va avoir tendance à voir un petit peu ce qui nous arrange, à mettre de côté. On va pas se mentir, c'est un sport extrême, Bien hein, sûr. et comme tout sport extrême, je pourrais prendre par exemple le base jump. Le gars, il a sauté 100 000 fois de la falaise, et puis il suffit de la Ouais. fois où il a pas pensé que Ouais, son peut-être ça allait parachute pas se s'ouvre passer. pas, Ça allait pas bien se sûr. passer comme il pensait, et puis qu'au final, il y a toujours un risque. Et c'est important ce que tu dis, c'est que ça n'en vaut pas le prix. Et on n'est pas là pour dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. On est là plutôt pour dire si vous le faites, forcément il y aura une conséquence. Et donc pensez aux conséquences et pensez aux conséquences avec toute connaissance de cause et non pas seulement des choses que vous avez entendu parler ou que votre coach vous a dit. Moi, une fois, un médecin d'où je travaillais me disait, tu sais, Eric, on reste que des hommes, on peut se tromper. Alors Bien dites-vous sûr. bien qu'un coach, il peut déjà, en plus d'être que coach, entre guillemets, encore plus se tromper, parce qu'il n'est pas médecin. Voilà. Ouais, bien sûr. Et je pense que cette banalisation des coachs qui pensent avoir plein de connaissances, non. Ça, à un moment, il faut que chacun reste à sa place. Et je trouve que c'est important. J'apprécie beaucoup ce que tu fais en termes de vidéo. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des médecins, même si souvent, c'est vrai que certains nous ont un petit peu éloignés d'eux en nous faisant des discours de morale, mais Je pense voilà. qu'on a tous un biais, ce qu'on pourrait appeler un biais de recrutement, en gros le biais de ce qu'on voit. Donc moi je vais avoir un biais forcément qui va être tiré vers l'extrême parce que à l'hôpital, et je pense que si tu te considérais uniquement en tant qu'infirmier, tu aurais ce biais de te dire bah Bien sûr, forcément on voit bien sûr. les catastrophes hein, des produits, les gens qui Bien arrivent en arrêt sûr. cardiaque, les gens qui arrivent avec des hépatites, donc tous ces problèmes qui peuvent survenir. Donc, tu vois pas forcément les bénéfices et tu vois beaucoup d'erreurs, beaucoup d'effets secondaires et donc tu te dis bah c'est hyper dangereux. Donc, je reconnais que ma vision, elle est probablement un peu tirée vers le côté négatif. Maintenant, elle n'en reste pas moins réelle. De la même façon que le coach ne va pas aller à l'hôpital, je ne pense pas que la plupart des coachs soient au chevet quand il y a des effets secondaires. Et puis, une fois qu'il y a des effets secondaires, je pense que tu as deux attitudes. Soit c'est hop, bloqué, supprimé, et on n'entend plus parler. J'ai jamais connu cet élève. Et puis, Ouais, bien sûr, voilà, je ne sais même pas qui c'est. Ouais, il m'avait envoyé une fois un message vraiment vite fait. Soit, éventuellement, il peut assumer, mais il ne va pas forcément aller au bout de la prise en charge. Et donc, ça va forcément minimiser sa vision des risques. Bah, généralement, on va pas se mentir, hein. Il va dire, ah ouais, mais il a fait des choses que je lui ai pas dit. Il y a ça aussi. Voilà, il va tout simplement se dédouaner comme ça en disant, ouais, oui, mais alors ça, c'est sûr, il a fait des choses que je lui ai pas Ouais, dit. Ça, c'est pas moi. il a dû prendre deux gélules de potassium au lieu d'une. Enfin, Voilà. on Oui, peut voir tout ce qu'on veut, oui. mais c'est normal aussi d'essayer de trouver un responsable, de pas se Oui. remettre forcément en question. C'est normal, ça ne veut pas dire que c'est excusable. Après, je reviens sur le fait que cette vidéo n'est pas là pour alarmer les gens, faire de être alarmiste, mais on est là pour faire de la prévention. Ouais. Et en termes de prévention, moi, des fois, ce qui me fait un peu peur, c'est que je me dis, on est face à une génération qui, j'entends un jeune qui parle de son bilan et qui dit, ah oh, bah oui, mais là, au niveau rénal, 20-22 ans, ouais, là, au niveau rénal, on va clairement dire qu'il y a une anomalie. Ouais. Il va dire, ouais, mais bon, je relativise. Oui. Mais tu relativises quoi? Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, tu auras encore besoin de terrain. Hein. Donc moi, je relativiserais pas si j'étais toi. Et tu vois, ils sont un petit peu à se dire, ouais, mais en gros, ça va s'arranger tout seul, Ça va quoi. s'arranger ou on verra bien ou On verra, peut-être que voilà. c'est une erreur de mesure. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de déni. Il y a Oui, aussi ceux qui on est surveillent même beaucoup dans le pas. déni, ouais. On Oui, il y en a entend aussi beaucoup qui surveillent parfois pas, ouais. des gens qui disent moi ça passe ou ça casse. Ils voient uniquement le résultat. Ils font pas de prise de sang, pas d'analyse. Alors, Bien juste la sûr. parenthèse, les prises de sang, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas Non, d'effet secondaire. On ne voit pas tout à tout à la fait. prise de sang. Tout à Combien de fait. fois je vois des gens qui me disent ma prise de sang est bonne, donc c'est bon, en gros, je peux continuer.
Vous prenez un fumeur, un mec qui fume pendant 40 ans, sa prise de sang, elle peut être bonne pendant 40 très ans. Bonne, ouais. Et puis un jour, hop, un peu de toux, un peu de fièvre, et puis la radio du thorax, le cancer du poumon de 4 cm avec des métastases. Tout donc la prise de sang, c'est vraiment, on va dire, la base. Si tu as une anomalie de la prise de sang, tu peux détecter certaines choses, notamment tu peux surveiller les reins, tu peux surveiller le foie, tu peux surveiller éventuellement les globules rouges pour l'hématocrite. Mais ça va pas tout voir, ça voit pas la tension, ça voit pas les différents cancers que tu peux avoir. Les cardiopathies. Non, les cardiopathies, bien sûr. On les voit pas au bilan. Ouais, et puis elles se développent tranquillement. Ouais. Et puis un jour, tu dis, je comprends pas, je suis essoufflé à deux étages alors qu'avant, je pouvais en monter quatre. Ouais, peut-être que j'ai pris un peu de masse, un peu de poids. Et puis en fait, de fil en aiguille, à la fin, t'es vraiment essoufflé sur les haltères à ton échauffement. Et puis tu consultes un médecin et puis on te dit, ah bah, y a un petit souffle, le CG, il est vraiment pas normal. Et puis t'arrives sur un mode d'entrée avec le cœur qui est déjà au bout du bout, parce que c'est en plus le piège, comme le bodybuilder, il faut quand même le reconnaître, c'est un mental qui est jusqu'au boutiste, c'est une abnégation totale de qui va être douleur, de ce qui va être, c'est un des, enfin peut-être pas un des sports, mais oui, c'est un sport où quand même il faut le boxeur, le bodybuilder, il faut, ouais, ces il faut sports, faire de gros sacrifices et surtout c'est un combat de toi contre toi-même, donc tu as une capacité d'évacuer tout ce qui est autour qui est très importante. Et c'est en plus des athlètes avec une grosse capacité fonctionnelle, c'est-à-dire que tu peux, c'est une image que je dis souvent aux patients, tu peux prendre un bodybuilder qui a une cardiopathie sévère, il pourra pousser des poids plus importants, il pourra probablement marcher plus longtemps et faire un test d'effort, tu auras plus de puissance qu'un mec du même âge sédentaire. Ouais. Tout simplement parce qu'en fait, tu as tellement élevé ton niveau de performance que même si tu es à 20% ou 30% de tes capacités, tu es quand même meilleur que la personne qui est sédentaire. Donc des fois, c'est même un peu biaisé. Et donc, c'est un peu le piège de justement des maladies chez les sportifs de haut niveau. C'est qu'il y a aussi un peu ce côté où quand tu commences à avoir une réduction de tes performances, mais tu prends même le coureur qui court un marathon, moi, je peux pas courir 20 km. Donc, en fait, si le mec qui fait le marathon, il le fait en 3h30 au lieu de 3h, bah, c'est déjà, toi, quand tu le regardes de l'extérieur, tu te dis, bah, attends, de quoi il se plaint ? C'est déjà une grosse performance. Oui, mais s'il a perdu 20% de ses perfs, c'est peut-être qu'il y a le début d'une maladie. C'est énorme. Donc, voilà, la prise de sang, c'est vraiment la base, mais ça ne dépiste pas tout. Non, pas tout. Donc, il faut être hyper, hyper vigilant là-dessus. Donc, faites très attention. Alors, et effectivement, juste pour revenir, la vidéo, c'est pas pour dire... c'est pas alarmiste, il faut juste être, je pense, réaliste que chaque arrêter action... Le déni. Voilà, arrêter le déni. Arrêter le déni, chaque action entraîne des conséquences et qu'il y a des choses qui sont vraiment évitables. Et la plus évitable, à mon sens, c'est les diurétiques, le potassium. Ça, je pense que c'est des conneries qui mettent en jeu de façon rapide. Il y a tellement de décès qui, pour le coup, ça, c'est évitable. Et évitable par de la prévention bête et méchante, surtout que ça apporte pas grand-chose. Non, non. Donc, franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Et je pense qu'il y a un moment, il faut que les gens arrêtent de faire trop confiance à leur coach. Voilà. Ouais. Il faut. Alors, je ne désigne personne, mais il y a un moment, il faut quand même essayer de comprendre les choses avant de faire tout et n'importe quoi, sans même en se disant oui, ben c'est mon coach, il m'a dit. Oui, mais alors c'est pas parce qu'il t'a dit que c'est bien pour toi. Ouais, c'est tout c'est tout le problème des protocoles et parfois il y a, j'ai l'impression qu'il y a des préparateurs qui sont hyper cotés et c'est à juste titre, enfin ça on peut en débattre, mais qui sont vus comme des personnes avec beaucoup de connaissances. Et puis c'est vrai que des fois, quand on n'est pas du milieu, ça peut en imposer, hein, des gens qui vont bien te sortir des théories avec plein de mots scientifiques, ou quand tu n'y connais pas grand-chose, je pense que tu peux dire, ah bah, c'est hyper cohérent, mais avec un peu d'expérience, tu dis, attends, là, il y a quand même 2-3 liens qui se sont faits un peu rapidement et qui n'ont pas forcément, qui sont pas forcément très pertinents, donc tu remets en question un peu plus. Mais pour la personne, bah oui, tu vas dire, vu comment il parle en termes scientifiques avec assurance et qu'il parle de son expérience, il s'y connaît. Il s'y connaît. C'est comme si mon garagiste, il commence à me dire, alors je t'ai changé une clé de bouse, un boulon, machin, je t'ai mis des pneus. Moi, je vais dire, ah bah franchement, il a l'air calé. Puis en fait, il a pu me refourguer c'est la un gros pire camelote. Ouais. Bah ouais. Et non, content, mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis content, je paye, je dis, ah c'est maintenant, vrai ce que tu dis. Je suis mais bon. Franchement, l'image est bonne. Et je pense qu'on ne peut pas faire de manière aveugle confiance à son coach comme ça. Il faut avant tout aussi... alors, soit on s'intéresse par soi-même et on essaye de comprendre, ou soit le plus simple, bah, on ne fait pas de conneries, excuse-moi le mot, mais là, en l'occurrence, le potassium et les diurétiques, voilà. Ça n'en vaut pas la peine et je reviens là-dessus. Je pense qu'il y a eu trop de soucis pour qu'à un moment, on ne se dise pas stop, quoi. Donc, bah, je pense que ça peut conclure tout de à façon fait. Ouais, sur vraiment le message de prévention de la vidéo. Il y a les effets à long terme des produits, et il y a aussi les effets immédiats et
On peut faire de la prévention sur tous, on pourrait parler encore 3 heures de tout ça, et encore 3 heures c'est gentil, je pense qu'on pourrait en parler 3 jours. Ouais. Mais s'il y a, je pense, qu'une chose à retenir pour réagir et rebondir à l'événement qui s'est déroulé assez récemment, c'est vraiment ces conduites sur le potassium, les diurétiques, et ça c'est, c'est encore une fois... Encore une fois, évitable. J'espère que, comme à l'accoutumée, il y aura des bonnes réactions sur ta vidéo, que ce message aura été clair, éducatif, préventif. Voilà. J'espère, et je pense que c'est toujours appréciable d'avoir ton sentiment en tant qu'athlète, en tant qu'infirmier, ce qui est quand même un bon compromis. Moi, j'allie le fait d'être un pratiquant, mais sans avoir jamais fait de compétition, donc un pratiquant, on va dire amateur, un amateur du sport, pour dire ça, mais le fait d'avoir vraiment la double casquette infirmier, athlète, et puis en plus d'être vice-président donc, de la fédération, c'est-à-dire que tu vois aussi des choses qui se passent, et je pense que tu as aussi des retours d'athlètes et des choses qui ne sont pas forcément, on va dire, révélées, enfin, des choses un peu d'insider, parce que les gens vont peut-être te parler un peu plus facilement. Donc c'est vraiment des témoignages. Alors vraiment, moi, ce qui m'a vraiment, et je vais rebondir une dernière fois dessus, m'a fait dire... et je voulais le faire avec toi, m'a fait dire il faut vraiment faire une vidéo de prévention, c'est ce décès, et je pense qu'on ne peut plus accepter ça. Voilà. Je te remercie de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. Donc, n'hésitez pas, je pense aussi que si on a des témoignages d'athlètes, de pratiquants, si vous avez une autre vision ou si vous voulez simplement réagir, apporter un petit commentaire ou même des expériences, des témoignages, n'hésitez pas à le faire en commentaire, parce que ça fait toujours sous les vidéos des témoignages, des discussions qui sont souvent intéressantes. Et puis, comme d'habitude, le pouce bleu. N'oubliez pas que c'est vraiment super important pour la prévention, puisque le pouce bleu annule à peu près tous les effets secondaires. Et là, les mecs vont le prendre au premier degré, ils vont dire « Ah, c'est bon, pouce bleu, vas-y, j'y vais à fond ». Bon, et retrouvez donc l'IFBB sur les différents réseaux. IFBB France officielle sur Instagram, Facebook, AFBBF, IFBB France, voilà. Voilà, et puis vous pouvez aussi me retrouver ledoc.pm sur Instagram, TikTok, et puis à suivre. Merci. À bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Salut.